Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un cake aux olives et aux allumettes de bacon. C'est pratique, c'est économique, ça va vite et puis ben, c'est très bien pour les mois un petit peu plus onéreux comme le mois de décembre. Ça fera trois repas, c'est super. Donc pour ceci, il nous faut trois œufs, un gâteau yaourt, des allumettes de bacon, des olives, donc 150 g d'olives, 100 g d'allumettes de bacon. 3 pots de farine et un pot d'huile, sans oublier le sachet de levure. C'est parti! Alors, on commence par le yaourt, comme les gâteaux yaourt en fait, selon la recette du papou. Les 3 pots de farine. Trois bons pots de farine. Un pot d'huile d'olive. Un cadavre. Je vais chercher la nouvelle. Les 3 œufs. Ça va, il n'y aura pas de fèves. Attraper le fouet, ça va être plus commode. Je rajoute le sachet de levure. Les allumettes de bacon, hop. Les dernières qui essayent d'échapper à la cuisson, les 150 g d'olives. N'oublie pas d'assaisonner du sel, du poivre. Ça donne quoi? Ça y a de la purée d'olive. Ouais, là vous n'allez pas aimer, hein. C'est pour papa et moi. Vous mangez pas? Tu m'as aimé notre maman. Non, 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 touche pas.
recette. C'est la recette du papou. C'est la recette que papou fait. Oui. Voilà, je vais tout transvaser dans un moule à cake avec du papier sulfurisé. Je vais mettre le four à préchauffer et je vous montre ça plus tard. Voilà, le cake est prêt à passer au four. J'ai juste rajouté une grosse poignée d'emmental râpé. Donc il va passer au four, donc 180 degrés, chaleur tournante, pendant une quarantaine de minutes. Le gâteau est sorti du four, il est tout beau. Il a refroidi, ça fait un petit moment maintenant. Donc hop, je vais le couper. On va voir. Et voilà, tout humide, tout beau. Alors c'est pas l'heure, hein. Il n'est que 15h30, donc là, bon, quoi que, hein. Un petit bout, allez, un petit bout coupé pas comme il faut en plus. Je vais dire ça. Allez. C'est super bon. Une gâteau yaourt fait en 5 minutes chrono en même temps que vous. Et ben ce soir, ce sera parfait avec une salade de betterave. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt!